Bienvenue amis sportifs dans votre émission Sambé Sport de ce jeudi 2 juillet 2020. Sur ces plateaux, nous avons reçu pour vous Charles Massoudi avec qui nous allons débattre sur les différentes actualités sportives du moment. Sur le plan continental, la réunion du comité exécutif de la Confédération de football ainsi que les élections qui se sont déroulées à l'ASV Club de Kinshasa. Une fois de plus, bienvenue. Voilà, comme je le disais, sur ces plateaux, je suis avec Charles Massoudi à qui j'ai dit bienvenue. Merci à vous, Charlène Bondembe, pour cet honneur que vous m'avez fait de pouvoir m'inviter à votre émission. Voilà, merci. Démarrons par l'Association des dirigeants de football du Congo qui était en réunion le mercredi 1er juillet 2020. Deux points étaient à l'ordre du jour, l'évaluation de la saison dernière avant la prochaine réunion avec les responsables de la commission de gestion de la Ligue nationale de football et sur l'initiative de la FIFA visant à soutenir financièrement le club pendant cette période de la pandémie de Covid-19. Le compte-rendu de cette réunion avec Guy Mafuta. Et aujourd'hui, il était important que nous puissions nous rencontrer, essayer à notre niveau déjà, d'évaluer ce qu'a été la saison passée, en prévision bien sûr de la prochaine réunion d'évaluation qui sera tenue avec la Ligue nationale de football. Et à notre niveau, nous nous sommes réunis pour voir comment évaluer la saison passée, relever les failles et proposer aussi des nouvelles mesures pour améliorer la prochaine saison que nous voulons saine et régulière. Il y avait également un point relatif à l'initiative FIFA, qui voudrait soutenir le club aussi dans cette difficulté financière liée à la pandémie Covid. Et enfin, nous sommes résolus d'avoir une requête, d'adresser une requête à l'autorité étatique pour voir dans quelle mesure soutenir le club. Parce que vous le savez, les clubs éprouvent une difficulté une difficulté majeure en termes de finances. Nous n'avons pas de sponsors, nous ne marchons pas du budget de l'État. Et difficilement, nous arrivons à clôturer le championnat. Et devant toutes ces difficultés, il était important quand même que les autorités mettent aussi la main dans la pâte. Si pour tous les secteurs, il y a un plan de relance, il faudrait aussi que pour le secteur de football, il y ait un plan spécifique pour le football congolais. C'est pourquoi au niveau de la DEFCO, nous avons relevé les éléments. Et très prochainement, nous aurons une autre réunion pour coucher ça sur papier et saisir toutes les personnalités indiquées pour qu'il y ait un regard assez patriotique vis-à-vis de ce sport qui, au fait, concrétise l'unité du pays. Au stade actuel, il y a des préalables qui ne sont pas négociables, qu'il faut rencontrer avant le début du championnat. Il y a des préalables financiers, il y a aussi des préalables techniques. Sur le plan politique, par exemple, il faudrait qu'à un moment donné que nous cessions, que l'état d'urgence prenne fin, que la régularité des circulations revienne dans le pays et qu'il y ait aussi un minimum de délai reconnu au club. Nous parlons de 5 semaines pour qu'ils se mettent à l'état pour reprendre le championnat. Sur le plan financier, il faudrait qu'il y ait aussi un geste du gouvernement. Et là, nous avons puisé dans la loi relative au sport qui voudrait qu'il y ait un fonds national de promotion de sport. Nous pensons qu'il est grand temps, à l'instar de l'éducation, à l'instar de culture et art, que ce fonds national de promotion de sport soit mis en place. Et c'est le Premier ministre qui prend un décret pour cela. Et nous avons ajouté que pour ce fonds-là, il faudrait qu'il y ait une dotation spéciale d'installation qui nous permettrait d'entamer la reprise du championnat. Donc il y a des préalables qui sont évidents et pour lesquels il faut absolument les rencontrer avant d'imaginer une quelconque reprise du championnat. Voilà Charles Massoudi, on peut aussi commenter par rapport à cette association de dirigeants de football des clubs de la République démocratique du Congo qui était en réunion par rapport à la situation sanitaire. La FIFA est en train de donner l'argent, il y a $1 million. Comment trouves-tu leur point de vue par rapport à tout ce qui se passe actuellement, surtout par rapport à cette période de la pandémie? Je crois que c'est tout à fait responsable lorsque vous avez... Vous avez géré, vous avez dirigé le club pendant toute une saison.
et que vous avez eu des revendications au début de la saison, c'est normal quand vous arrivez à la fin de pouvoir réfléchir, pouvoir évaluer, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et comme ça, vous aurez l'occasion de pouvoir bien débuter la saison prochaine. Et surtout qu'ils ont l'obligation de rencontrer les dirigeants du championnat, les dirigeants de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Et c'était vraiment bien pensé que de pouvoir d'abord se rencontrer et avoir une idée d'ensemble. Comme ça, ils ne seront pas dispersés devant les dirigeants de la LINAFOOT. C'était une bonne chose de ce côté-là. Et de deux, ils savent que suite à cette crise due à la pandémie de Covid, il y a l'instance dirigeante du football mondial, la FIFA, qui a mis le moyen pour venir en aide au club, et que ce sont eux qui gèrent le club. Oui. Et en ce moment-là, ils se sont dit, il faudrait aussi qu'ils aient une idée juste sur ce que... qui sait qui leur sera rétribué, parce que c'est normal. Vous savez que ce sont des personnes qui supportent les jeunes dans le cadre des sports. Ces mécènes, ils n'ont rien en retour. Oui. Et si il y a déjà des subventions comme ça, ou qui n'est pas sponsorisé, voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je soutiens leur initiative de pouvoir constituer un mémo qu'ils vont devoir introduire au niveau de la primature pour que finalement soit mise en place ces fonds de promotion fonds de promotion des sports. C'est tout à fait normal, parce que vous avez vu aujourd'hui l'initiative du gouvernement de pouvoir soutenir les entreprises qui ont connu des problèmes par rapport à cette pandémie de Covid. Oui. Si on leur vient en aide à ces programmes qu'on appelle les programmes de la relance des entreprises, oui, c'est une bonne chose. Mais aussi le football, aussi il faut penser à ça. Football. Déjà, quand on doit avoir un fonds pour la culture, un fonds pour les arts, et pourquoi pas avoir aussi un fonds pour le football, pour les sports en général, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des jeunes sont également autant intéressés par la culture que par les sports. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils puissent penser à cela. Et je peux leur souhaiter d'emblée, comme ça, bon succès dans cette initiative, dans cette procédure qui va arriver, parce que vous l'avez suivi, comme venait de le dire Maître Guy Mafouta, il va falloir que le Premier ministre puisse tout simplement prendre un décret pour pouvoir mettre en place finalement ces fonds de promotion pour la promotion du football. Oui, voilà. Il faut aider les sports en général. Ouais, parce que on peut toutefois parler du sport, mais il y a aussi du football, mais il y a aussi des besoins en général en ce qui concerne les sports de la République démocratique du Congo. Par rapport à cette association, Charles Massoudi, ils sont en train de se battre pour le développement du football en particulier. Ce sont les dirigeants de clubs. Par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, pensez-vous que leur voix sera attendue du côté des autorités de la République démocratique du Congo? Parce que là, ils ont réfléchi par rapport aux moyens que la FIFA est en train de doter aux fédérations, mais ils ont aussi fait un mémo pour déposer à la primature. Pensez-vous que c'est une bonne voie? Enfin, nous aurons une subvention du championnat national. En effet, Charlène, c'est même une obligation, je dirais, pour le gouvernement. Parce que ces jeunes qui sont encadrés par le président de club, des individus, des mécènes, des personnes qui viennent faire ce que j'aime toujours à appeler de l'apostolat, ils le font, c'est pour former les jeunes. Quand vous arrivez ailleurs, si l'État ne met pas de moyens, au moins on a des sponsors. Aujourd'hui, la meilleure façon de faire, comme il n'y a pas d'obligation pour les entrepreneurs de pouvoir venir soutenir les sports en termes de mécénariat ou de sponsoring, eh bien, l'État, parce que nous appartenons à l'État, cette jeunesse, c'est la jeunesse de l'État, et il y a des individus qui sont en train de les encadrer, eh bien, l'État a l'obligation de pouvoir les venir en aide, et surtout que la loi relative à l'organisation des sports en RDC le prévoit aussi. Donc, c'est tout à fait normal, et je vois que c'est dans l'intérêt d'ailleurs de l'État congolais de pouvoir leur venir en aide, parce qu'ils sont en train de former, d'encadrer les jeunes congolais. C'est d'ailleurs ces jeunes-là qui viennent jouer dans les équipes nationales, que ce soit chez les Léopards, football, basket, handball, volley, judo, karaté. Tous ceux qui font l'honneur de la RDC sont a priori encadrés par
les individus qui sortent leur argent dans leur poche. Et puisqu'ils doivent, ils ont vocation de venir jouer pour les Léopards, donc pour la nation, oui. Et la nation doit contribuer aussi à leur formation. C'est comme ça que j'ai toujours dit que par le passé, l'État congolais a évolué dans la triche. Oui. Dans la triche, aujourd'hui, je le dis toujours, quand vous voyez un certain Bakambu jouer et vous l'insultez, voilà, vous lui donnez tous les noms, vous oubliez qu'il a été formé par l'argent des contribuables français. Voilà. Donc, il n'a pas été, c'est vrai qu'il vient jouer pour votre équipe. Donc, il est temps aujourd'hui de pouvoir contribuer à la formation des jeunes sportifs congolais. Comme ça, ça peut donner un peu de souffle pour les responsables des clubs qui dépensent quand même de leurs moyens pour encadrer ces jeunes. Voilà, parlons un tout petit peu de ces montants, 1 million pour les fédérations. Pensez-vous que cet argent peut aussi aider la FECOFA à élaborer un projet concernant toujours cette jeunesse qui aime le football? Non, même, je crois que le projet, ça c'est autre chose. La FECOFA, à en croire le président de la FECOFA, oui. Et dans l'une de ses interventions, il avait dit qu'il y avait, des projets et qu'il y a l'argent. Et quand on va finir à étudier ces projets, déjà qu'il faut d'abord cette histoire de terrain, qu'on va devoir, j'espère bien, qu'on va devoir trancher dans les jours à venir. Mais les possibilités sont données, elles sont multiples au niveau des instances qui gèrent le football sur l'échiquier mondial et l'échiquier africain. Oui. Là, c'est, mais pour ce qui est donné, ici, on sait que c'est une situation particulière qui ne dépend pas des projets. Mais je suis confiant que la FECOFA va devoir gérer ses moyens à bon escient, en bon parent, en donnant à ceux qui en ont réellement besoin, pour qu'ils puissent bien s'occuper de nos jeunes sportifs. Voilà, Charles Massoudi, on va quitter la DEFCO pour parler cette fois-ci des élections de l'ASV Club. Après 13 ans de règne, Amissi Tango Force cède sa place à une dame. Il s'agit de Bestine Kazadi. C'est elle l'actuelle présidente de la coordination du team vert et noir de Kinshasa. Charles Massoudi, ces élections ont été très attendues par le Moscovite. Enfin, il y a une présidente, une dame. Quelle posture est-ce que vraiment c'est la personne que le Vecubien attendait depuis tous ces temps pour aider cette équipe d'aller de l'avant? Non, je n'aimerais pas d'emblée dire que c'est la personne que le Vecubien attendait, parce que si je répondais ainsi, c'est comme qui dirait que la personne qui était là n'a pas pu répondre aux attentes de Vecubien. Même la personne qui était là a répondu aux attentes, mais pas à toutes les attentes. Oui. Ça, c'est normal en tant qu'un humain. Mais il y a Madame Bestine Kazadi qui vient d'arriver, et qui vient d'arriver à la tête de la coordination, mais qui ne vient pas d'arriver au sein de l'ASV Club. Elle connaît bien le club, elle connaît les problèmes des clubs. Donc, elle n'est connaît... pas un cheveu tombé dans la soupe. Ce n'est, en tout cas, elle n'est pas parachutée dans le club. Elle sait quels ont été les points faibles du comité général Tango Fort. Et elle doit bondir là-dessus pour ne pas décevoir le Vecubien. Et elle doit pérenniser les forces du général Tango Fort par rapport à l'ASV Club. Et je crois que c'est en ce moment-là qu'elle arrivera à réunir tous les Vecubiens. Et en passant, je dois quand même féliciter ces discours réunificateurs du général Tango Fort au cours de l'Assemblée Générale. Donc, ce qui a précédé de... les élections, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé, tous ceux qui m'ont insulté, tous ceux qui m'ont appelé Kirikou et consort voleur, et je leur pardonne. Je demande aussi pardon à tous ceux qui ont été vexés par moi, et je demande à l'équipe de rester unie et que je continuerai à soutenir l'équipe, mais tout en étant à la coordination et plutôt au Conseil suprême. Oui. Et je prêche par l'exemple en donnant déjà ma contribution annuelle pour la saison prochaine, et ainsi il a souscrit pour les 100 000 $ pour la saison qui va devoir arriver. Madame Bestine qui arrive au sein de V Club, en tout cas je ne sais pas si j'en aurai le temps. Oui. Si elle doit faire mieux
critiquer le général. Je pense que maintenant, elle doit écouter ceux-là qui pensaient qu'il y avait des choses à reprocher le général. Nous allons arriver. Il faut dire que cette dame était face aux hommes. Elle était la seule. Elle a fait 38 voix devant Diomi Ndongala. Beaucoup espéraient de revoir encore soit Diomi Ndongala ou soit Pele Mongo. Mais, comme on dit, c'est la vérité des urnes. C'est une dame qui est actuellement en tête de l'ASVECLEB. Par rapport aux attentes, par rapport aux soucis des Véclébiens, il y a une frange des Véclébiens qui réclamaient le départ d'Amissi Tango Fort. Il s'agit des Sauvons Véclèbes. Est-ce que ces groupes-là, ils sont satisfaits par rapport au départ d'Amissi Tango Fort? Est-ce que Bestine Kazadi sera-t-elle en mesure de prendre la tête de l'ASV Club? Certes, Amissi a laissé le club dans un niveau qui n'est pas moindre, il faut le reconnaître. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pour cette dame d'atteindre ses objectifs? Parce qu'entre autres, elle a dit qu'elle va professionnaliser cette équipe. Moi, je crois que pour moi, la première mission pour elle, c'est doit, en tant qu'une bergère, il faut qu'elle aille chercher les brebis galettes. Il faut qu'elle aille chercher les Véclubiens qui ne se sont plus reconnus dans le comité sortant il y a un temps. Ces Véclubiens qui aujourd'hui continuer à murmurer parce qu'il y en a déjà. C'est vrai que, parce que vous avez parlé de ce bon vieux club, il va falloir les attendre. Qu'est-ce qu'ils pensent de ces élections? Qu'est-ce qu'ils pensent du comité entrant? Mais puisque c'est Bestine qui est déjà là, ce qu'il doit faire maintenant, c'est d'aller chercher tous les Véclubiens. Il faut que tout le monde soit ensemble, parce que déjà, il y en a qui n'étaient pas d'accord que les élections se passent maintenant même. Mais les élections se sont passées maintenant. Et si elle pense mieux faire, c'est aussi procéder à la restructuration des choses, la révisitation des textes, ce qui a été réclamé par plus d'un Véclubien. Il faut qu'on revoie les choses. Mais aujourd'hui, si elle est arrivée là, c'est par la volonté des Véclubiens qui ont été les électeurs. Vous et moi, personne n'a été à l'isoloir pour jeter son dévolu à l'un ou l'autre candidat. Ce sont les Véclubiens qui ont procédé à ces votes-là. Eh bien, si Mme Bestine veut être la présidente de tout le monde, de tous les Véclubiens, elle a là l'occasion de commencer son mandat par aller chercher l'unité de tous les Véclubiens, qu'ils viennent tous, qu'ils se mettent ensemble pour amener très haut leur couleur. Comme elle a dit, professionnaliser le club, c'est aussi écouter les autres, écouter les idées de gauche à droite, écouter le conseil de tous les Véclubiens et voir qu'est-ce qui est bon à faire pour le club. Je pense qu'elle va s'inscrire sur les traces du général Tango Fort et faire mieux que lui, puisque c'est cela que moi j'entends par le fait de dire qu'elle compte professionnaliser le club, parce qu'elle a parlé aussi de gagner la coupe d'Afrique, et c'est le souhait de tous les sportifs. Et de voir aussi le club porter deux fois la finale des interclubs de la CAF. Oui, voilà, donc elle peut faire mieux, comme tu viens de le dire. On va suivre le déroulement de ces élections. Les Kangai, mais la zone malabine voit Malil. Projet à modernisation et Zali pour la équipe Nabiso Vita Club, qui est comme déjà grand club. Merci la générale, la équipe Mobimba Coordination Zali Awa. Même équipe à niveau Yalikolo, et si quoi est comme Maître Bestine Kazadidi Tabala a relevé Angoli sous face à la défi et belé. Écoutez.
Voilà, c'était là l'Assemblée générale extraordinaire et élective de l'ASVECLEB. Charles Massoudi, il y a Bessine Kazadi va travailler. Elle sera assistée par Vicky Ndunga à la section football. Que pensez-vous de cette personne? Parce que beaucoup de personnes se posent deux questions. D'où vient-il? Est-ce qu'il sera en mesure de prendre cette section football de l'ASVECLEB, et surtout que c'est par là où commencent les problèmes dans nos équipes. Bon, je regrette quand même que l'on n'ait pas donné l'occasion à la presse que nous sommes de pouvoir accéder au projet de tous les candidats. Oui. Il y a certains d'entre eux qui ont quand même dévoilé leur projet au début, oui. Mais d'autres ils ne l'ont pas fait. Ça nous permet pas de faire des analyses purement objectives. Puisque voilà, on ne connaît pas le projet, comment voulez-vous juger l'homme? Mais après, d'après ce que nous savons, c'est que Vicky Ndunga, c'est quelqu'un qui contribuait déjà pour l'ASVECLEB alors qu'il n'était pas au comité. Donc on espère bien qu'il va continuer dans cette lancée. Mais quant à ce qui est de la vision, et lorsque vous suivez sa réaction à chaud, il vous dit qu'il n'aimerait pas se prononcer d'abord avant d'écouter, avant d'échanger avec la présidence. La présidente, je pense que c'est une réaction, c'est une attitude un peu sage, parce que il ne faudrait pas que commencer déjà son mandat avec les contradictions avec la coordination, ce qui n'est pas une bonne chose. Quand on est à la coordination, c'est vrai que à la section football, c'est pour aider à ce que le club rayonne davantage, mais il faudrait que l'on s'inscrive dans la vision aussi de la présidente de la coordination. Là, ça peut faire quand même une bonne chose. Mais nous avons suivi avant les élections quand même le rapport qui a été lu. J'aimerais quand même placer un mot là-dessus, Charlène. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y a eu des choses honteuses. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on voit toujours la tête. Mais les gens qui ont, la plupart des gens, je ne dis pas tout le monde, mais la plupart des gens qui ont accompagné le général n'ont pas fait pas très bien leur travail. Quand vous êtes conseiller, lorsque vous êtes à côté d'un chef, ce que vous devez faire, c'est de lui donner aussi les bons conseils, c'est de faire en sorte qu'il puisse bien faire les choses. On parle de VECLEB, on nous a cité autant de sections ici. Oui. Boxe, judo, handball, volley, basket. Quand le secrétaire général, mon aîné Patrick Banishai, vous lit les rapports, vous comprendrez que les restes des sections, ce n'est même pas l'intérêt de VECLEB. Oui. Ce qui n'est pas une bonne chose. On est à la coordination, c'est pour coordonner toutes les sections. On ne peut pas continuer. Et lorsqu'on vous dit, les choses, parlant de basketball, on dit que c'est la section qui a fait la fierté de VECLEB. Mais depuis que Bart Kalembo est parti, tous ceux qui sont venus après ne font que partir aussitôt après, même avant la fin du championnat, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le soutien de l'équipe. Vous verrez qu'on parle même de goal au basket, tout simplement parce qu'on sent que même la coordination ne s'intéresse pas. On oublie qu'au basket, il n'y a pas de goal, il y a des paniers, il y a des points contraignants. On ne s'intéresse pas à ça. Football, voilà. À d'autres disciplines. Une section qui valorise vos couleurs. Et on ne connaît même pas le nom de la capitaine Natasha Mambenga. Oui, des athlètes. Vous comprenez un peu ce qui est totalement condamnable, et la coordination qui, le comité qui vient après, ceux qui seront, je parle de ceux qui seront aux côtés de Madame Bessine Bilel, il faut l'aider quand même à venir même au stadium de basket, à aller au volleyball, à aller au judo, à aller au handball, pour soutenir ces jeunes gens. Parce que parfois ça fait la fierté que quand vous jouez, vous voyez même vos responsables dans les tribunes. Même aussi les gens de la communication. Communiquez aussi, parce que les supporters peuvent venir quand ils sentent les gens parler de leur club. C'est une bonne chose. Quand vous voyez, moi je vois par exemple pour le DSMP la saison passée, j'ai vu le président Vidier Chimanga venir soutenir DSMP dans les grandes. Ça fait quand même du bien. Donc là, il faut quand même voir cette question-là. Le volleyball, vous avez vu, félicitations quand même à Zézé qui est venu. La saison passée, c'est vrai que VECLEB n'a pas fait les résultats que faisait Kabuya, mais il venait d'arriver, on le comprend. On espère bien que cette fois-ci, ça peut aller et quand même très bien. Mais le handball, pourquoi? Qu'est-ce que cette discipline a fait? Heureusement que cette fois-ci, il y a eu quand même un dirigeant qui est venu. Il faut lui donner le moyen, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir un dirigeant seul, il ne peut rien, il faut lui donner le moyen pour que VECLEB handball puisse rayonner. Les judo, Denis Kambay a fait de merveilles avec cette section à un moment donné. Oui. C'est comme ça que je retourne aussi aux supporters. Il y en a qui insultent les dirigeants. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais vous dites, dans la cité, on apprend que
Makila, Nazana Makila à VA, Nazana Makila à DSMP. C'est vert, noir, oui, voilà. Mais Makila, on voudrait voir ça en venant soutenir partout où ces couleurs sont portées. Venez. Moi ça me cœur quand même que de voir là où le club joue. Une équipe comme une équipe de handball, parce que c'est là que, bon, une équipe comme JSK ou Héritage, chez les dames, par exemple, Héritage, ou. Ils ont plus de supporters que le club. Où est-ce que vous trouvez ça normal? Tout simplement parce qu'on tourne de dos à ceux-là qui sont censés honorer vos couleurs. Donc il faut venir les soutenir. On a parlé de la boxe, on a apprécié la boxe. Moi j'apprécie plutôt le président de la boxe parce que je n'ai pas vu de supporters de la boxe, je n'ai pas vu non plus le gens de la coordination de la boxe venir soutenir les boxeurs qui ont fait la fierté de le club. Désormais, condamnons les gens de la coordination. Condamnons-nous aussi les supporters de V-Club parce que si l'une des banques qui vous soutenait, l'une des banques qui vous sponsorisait a rompu le contrat avec V-Club depuis le mois de janvier, c'est parce qu'on a senti que les supporters ne sont pas engagés. Les attentes ne sont pas arrivées, voilà, ils n'ont pas atteint leurs attentes parce que les supporters n'ont pas souscrit comme on attendait. Donc, il faut condamner les dirigeants, mais il faut aussi se poser la question si on les accompagne comme il se doit. Donc, aimer l'équipe, c'est aussi cotiser, contribuer pour son équipe. Merci Charles Massoudi. On va chiter par la réunion qu'a tenue le comité exécutif de la Confédération africaine de football qui s'est réunie le 30 juin dernier. Entre autres, il y a le report pour le championnat d'Afrique des Nations 2021. Il y a le report pour la CAN, tout ça. Suite à cette pandémie, Charles Massoudi, est-ce que cette décision est la bonne pour le football africain ou soit l'Africain a toujours peur d'y aller malgré qu'il y a aussi la pandémie? Non, je pense que c'est réfléchi. Vous connaissez la situation de nos infrastructures en Afrique. L'Afrique est la même comme on aime le dire. C'est tout à fait réfléchi. Il faudrait quand même faire passer la santé devant. Et j'en profite quand même pour féliciter enfin la CAF qui a pensé à nos dames, qui a pensé à nos petites sœurs, qui ont pensé à nos mamans, celles-là qui se sont données corps et âme, qui ont à un moment donné sacrifié leur féminité pour le football. Enfin, au moins elles savent que si elles jouent la Ligue du Champion, voilà, si elles jouent la Coupe du Congo, si elles jouent le championnat national, le championnat provincial, c'est avec objectif d'aller jouer le Coupe Interclub de la CAF. Coup de chapeau à la CAF pour créer cette compétition-là. Au moins, on a quand même des issues, on a des débouchés, parce que ça faisait longtemps qu'on jouait seulement la Coupe du Congo. Elle s'arrêtait. Lorsqu'on ne vous prend pas à l'équipe nationale, voilà, lorsque vous n'êtes pas appelé à l'équipe nationale, donc votre carrière elle est gâchée. Et on vous insulte à la cité, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous savez comment est-ce qu'on traite les filles qui pratiquent le sport, peut-être à tort, mais là au moins, elles vont trouver une vitrine pour faire valoir ce dont elles sont capables. Voilà Charles Massoudi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un petit mot avant de se séparer avec nos fidèles téléspectateurs. Merci, je suis très ravi d'avoir partagé ce plateau avec vous qui êtes presque mon homo. Oui. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je pense que j'aurai encore l'occasion de passer sur ce beau plateau pour qu'on puisse parler sport. Merci à Guy Ndombele et à Glody Manzanda. Prenez rendez-vous pour le lundi prochain.